Nausicaa est la fille du roi Alcinous et de la reine Arété. Elle a trois frères, Laodamas, Alios et Clytoneos. Elle habite en Phéacie. Une nuit, Athéna vint lui faire faire un rêve. Ne vois-tu pas toutes ces belles robes sans soin alors que ton mariage est proche? Demain, tu demanderas à ton père de te préparer des mules et de la nourriture pour toi et tes amis. Avant l'aube, tu partiras au lavoir. Aussitôt réveillée, Nausicaa courut à son père, lui demandait de lui préparer des mules et de la nourriture. Ensuite, elle partit au rivage. Enfin arrivée là-bas, elle laverse les belles robes luxueuses, comme Athéna lui avait dit, et déjeuner en faisant un pique-nique. Le déjeuner achevé, elles jouèrent à la balle. Celle-ci tomba derrière un rocher, et derrière ce rocher se trouvait Ulysse. Nausicaa lâcha la balle et se dirigea vers notre héros. Ses amis la rejoignirent avec effroi. L'une d'entre elles lui dit qu'il ne faut pas le toucher, car ce serait peut-être un dieu. Nausicaa le fit, et il se réveilla. Nausicaa lui demanda de quel pays il venait et comment il s'appelait. Il ne sut répondre, du moins il ne le voulait pas. Alors Nausicaa l'amena voir le médecin du royaume. Vase représentant Nausicaa lors de la rencontre d'Ulysse. Voici Ulysse après son passage chez le médecin du royaume.